toujours même dans le bagage à profiter. Comment vous pensez en tant que professeur? Et je pense que nous avons un contexte historique qui est important. Et nous connaissons Haïti avec la République Dominicaine. Chaque jour, nous avons 4 les 10 jours dans le travail là. Et qui est le pays, nous connaissons ce qui va passer pendant l'occupation américaine et l'occupation dominicaine et Haïti et Cuba. Chaque pays, les États-Unis, comme pays, ils ont un rôle. Nous connaissons dans le pays de ça, c'est la République dominicaine et Cuba qui était plus usine et qui était plus moderne. Vous avez choisi Haïti comme main d'œuvre pour marcher. Vous pouvez regarder 400 000 travailleurs haïtiens qui peuvent quitter Haïti pendant le pays de l'occupation, par la République dominicaine à Cuba. Et pour encourager les capitalistes espagnols et français, américains, et venir installer la capitale dominicaine. Et par contre, les touriots qui sont racistes, extrême droite, en même temps, tout, touriots, c'est petit haïtien, c'est petit chevalier, monsieur. Et monsieur va entrer en Espagne, monsieur va prendre une équipe bousin, posturée, et pour blanchir la dominicaine. Non. Moi, dominicain, c'est tout le monde dominicain, nous noir, sous base raciste, ultranationaliste. Chaque coup, la République dominicaine en crise économique, il va carrément pour la raison peuple, il va servir avec Haïti comme bouclier pour résoudre les problèmes politiques. Un gouvernement extrême doit ça. Ouais, le gouvernement Lesco et Duvalier qui va signer des contrats avec Haïtiens pour venir en bataille, c'est un gouvernement de droite qui a servi les pays américains à l'époque pour créer une grande usine américaine pour permettre de gagner au pays. Non, aux États-Unis, il n'y a pas le point de haïtien. Contact ça que ça va passer. Et tout le 37, nous allons faire une rivière, massacre. Nous allons tuer des milliers d'Haïtiens. Et nous allons garder le contexte historique. Ça, l'armée de l'armée d'Haïti, l'armée de là, pas intervenir. Il se cache un petit diable, nous demandons des armes pour aller contre l'armée dominicaine. Et nous pensons que ça a défini là, son mauvais approche historique et qui a fait ce question. Hein? Et dirigeants politiques, ils n'ont pas campé sur rien. Et nous, et par contre, conscientisation, cette question, ça, tout le monde a fait un Brésil, Haïti, nous allons garder. Et Dominique a profité, fait ça toujours. Et il y a des choses Dominique fait là, et il y a des gens qui ont payé un parole. Et historiquement, Dominique a dit qu'il n'y a pas occupé la République dominicaine. Et en plus, l'historien, il y a des bourgeois qui non. Et quand tu attendais l'espace tourner, il m'a demandé de coup de main. Et Boyal a eu un coup de main. En 1823, Boyal a interdit, fini avec l'esclavage. Non, l'autre livre là. Ça veut dire, pour l'histoire, la République dominicaine, il y a une compte historique. C'est tout l'extrême droite. Et nous avons dit que les Haïtiens étaient joués dans le gouvernement. Nous avons dit que les Haïtiens étaient soutenus et le régime dictateur face à un Bosch. Les Haïtiens soutenus Toulio, les Haïtiens soutenus Balakiel et les Haïtiens en gouvernement extrême droite haïtien et gouvernement extrême droite dominicain qui ont toujours des peuples. Et historiquement, la vie dominicaine en récession tout le monde. La vie dominicaine, c'est un pays qui est plus pour nous dans le Caraïbe là, dans la question qu'on a vu. La vie dominicaine, ils sont une économie volatile, c'est une économie chita soignée, c'est une économie de sites, qui chita, on appelle le touriste, et je ne veux pas dire que la dominicaine, il y a beaucoup, c'est Haïti qui vient. Malheureusement, nous avons Ayel qui est imbécile avec André Michel, qui a fait autour avec l'ambassade dominicaine, qui ne comprend rien encore, rien, dans le cadre politique mondial, Jean-Dominicani, et qui partage les mêmes idées avec nous, qui a fait vieux accent sur nous, et on monte, il y a l'ouvert barrière, et pour permettre Dominique de faire plus comme. Et nous pensons Haïti, avec Haïti, c'est un meilleur marché pour la République dominicaine. Et le jour Haïti reconstruit l'économie, surtout investir la production économique nationale, pour dire Dominique, pourquoi pas encore? Parce que c'est que Dominique avant Haïti, pas du pays qui a pris le c'est pas produit qui correct, et pas produit qui est normal. Et nous pensons que c'est l'autre État pour nous définir. Ou l'autre État, ou l'autre pays, qui peut protéger l'État? Et nous avons peut-être l'État pour la hauteur. Nous connaissons que quelqu'un qui est là plus de 20 ans, la République dominicaine a une sélection dans le pays. Même gang tout. Ma présidente 400 Barroso, c'est gang de la République dominicaine. D'après FBI, d'après la OBAI, c'est le service responsable de la République dominicaine qui finance. Pour craser ma bonne coupe, même j'ai crasé la tronique. Nous connaissons qui projette Malisté Gain pour prêter pays en propre. La République dominicaine était installée gang dans toute la pour craser la production du pays. Et pour plus gros projet là, installé gang dans le pays pour craser ma bonne coupe, pour craser le président. Parce que le président c'est meilleur bien, pas beaucoup c'est meilleur. On dit parce que là, ni nos combats, et ça fait classe moyenne si vous ne voyez pas comprendre ça. Il y a les Dominicains, et il y a perdu tout bien, et même les Italiens, ils ont même massacré. Et les internationalistes, qui ont fait propagande, et je pense que pas côté, et nous, les Asiens, pour décision, ils vont acheter 6 km de la République dominicaine. Et puis, vos partenaires de la République dominicaine, dans le commerce, c'est les États-Unis. Après, nous, c'est le deuxième, c'est nous-mêmes. Et les États-Unis, ils vendent 100 millions de dollars chaque année. C'est les États-Unis seulement 2 milliards de dollars dans l'économie, surtout dans les touristes. C'est une économie qui dépend de les États-Unis, qui dépend de multinationales. Ce n'est pas une économie qui est réelle. Les gens décident, pas où ils vont aller étudier en République dominicaine, pas acheter pour les Dominicains, pas les Dominicains encore. Et nous garantissons le PIB dominicain, je suis à 15%. Déjà acheté.
et me penser sur l'autre vision, sur l'autre politique que nous faisons, et me penser, je viens de dire 29 novembre, quand c'est le jour de massacre, tout, qui est important, tout. Nous connaissons en tant que jeune, et nous connaissons la médaille ici, avec CIA, et tout, tout le peuple là-bas, pour un pouvoir, pour qu'il est réel, c'est pour pouvoir. Et me penser, c'est tout le contexte, ça, nous-mêmes, nous avons question de la République dominicaine. La République dominicaine, c'est deux peuples, ont tendance, ultra-nationaliste, extrême droite, chaque coup dominicanien, nos situations, et pareil qui dit, et Gabriel m'a dit nous, éducation dominicaine, par éducation de qualité. Et en garde, indicateur développement humain de la République dominicaine, ce n'est pas terrible. Notre développement humain, la République dominicaine, par exemple, dans la région, comme nous-mêmes, nous ne pouvons pas régler un là, qui fait notre décision pour la République dominicaine. Et nous avons aimé Haïti, tout ne se passe tout à l'heure, nous l'avons. Parce que 1937, l'air fait massacre, c'est tout bien Haïti. Je sais bien, je prends exemple, il y a un vole machine, il vole les caillots. Et même Binadel, ça, tu es demandé de venir acheter. Je prends exemple. Binadel, c'est un homme qui est dans la construction de la République dominicaine. Vous comprenez ça? L'aide va le payer, il faut que je sois pas comme lui. Si pas moi, il va se faire comme lui, il va être immigratoire, immigration, il va aller arrêter mon nom. Et monsieur, même si on est qui nous volait, si on est qui nous fait tout, qui nous fait faute fiscale, qui nous fait fisco, bah, masio, bah, badio, et si on est tout qui va y est tout. Et moi, c'est extrême droite dominicain, et ça fait là, c'est la honte. Et nous, monde civilisé, au monde éclairé, on n'a pas qu'à la politique encore. Et la vie dominicaine sera isolée. Comme nous, on a eu Ayel, André Michel, Major Michel, qui va être ouvert, Bayer, oui, oui, ça va dire, on a mis mon nom pour voir, nous, on a gagné, on peut comprendre. Niveau du massia. Et moi, c'est professeur Manika qui a dit ça. C'est deux pays où c'est bon diplomate. C'est la République dominicaine, c'est les États-Unis. Parce qu'il y a un contexte historique face nous-mêmes avec la République dominicaine qui a vu dans la tête, qui a été occupé. Et puis, c'est pas grand vrai, c'est coup de mental parce que l'espace a tourné. Et jusqu'à ce que je mette les responsabilités en République dominicaine. Et moi, c'est dans tout droit historique, ça, nous-mêmes, comme politique nationale et internationale, nous disons pas ici, il faut une mobilisation contre le racisme et contre la vieille bagaille de terre. L'économie dominicaine nous dépend de Haïti. Et même question éducation dominicaine, c'est Haïti. Question linguistique, la question touriste, c'est Haïti qui a traduit. C'est mon père qui a l'école d'abord. C'est mon père qui a l'école. Et Dominicani, son pays prostitué, si mon 10 ans, et après agro 70 ans, son pays qui a un bordel l'économie, c'est mon économie qui a son bagaille. Et je pense, dans le cadre de en tant que militant de gauche, nous-mêmes, nous avons une bagaille démagogie, il faut montrer conscience nation, formation, gouvernement, pour nous prendre l'État, pour nous changer l'État, ça, pour nous suspendre vos politiques et discrimination qui a mené, pour que l'État fort, pour tracer notre raison par rapport à sa République dominicaine à Haïti. Professeur Dizel, pendant que vous avez fait bagaille, et je vous dis là, le gouvernement joue à l'ouvrir. Barrière, mais il faut que nous gardions le comportement haïtien autour. Immédiatement, barrière ouverte, tout vieux sous, vieux barrière dominicain qui finit pourri, vous gardez haïtien eux-mêmes qui prennent l'entrée pour prendre ça. Mais ceci dit, il y a un pile haïtien qui est victime, qui est malade, qui est mort, tout par rapport, quelques vieux produits mettent dans eux. Vous pensez que c'est une bataille avec le modèle, mon ça. Et où sortez haïtien? Je pense que le mode de l'État, ça n'a pas qu'à faire. André Michel, Major Michel, avec Ariel, tout. Il n'y a pas de capacité de manger l'État. Sauf que l'important, nous, peuple qui va gagner souveraineté alimentaire, ou pas qu'on peut. Agriculture, c'est une plus grosse âme. Et m'bande l'année 50-60, et des modèles, nous t'es dans la région. Nous t'en devons te croissance de 10%. Il va descendre à 4% l'année 70 carré. Hein. Ça veut dire, la République dominicaine est sous le prix, et son bicentenaire. Ça partit de nous, le bicentenaire. Et les camarades d'Alpes, Ville, Béladère, et du passé estimé. Et c'est des modèles, nous, malgré Dominique et Gampi, parce que l'autre pélique, c'est un gros merveilleux, le Caraïbe là. Et m'bande, c'est ça, c'est important. Et, comme en situation de précaire, nous mettons dans une situation de misère. Et c'est ça lié, dirigé qu'a fait politique, ça doit être politique néolibérale là, il y a qu'à regarder tête. Yo. Et faut, pour résoudre le bagage de la République dominicaine, il faut qu'on politique et une politique publique agricole. Pour distribuer les terres paysans, bon terre, pour mettre banque agricole, banque de crédit, ça n'a pas fait bien. Qui côté dans le pays, il y a fait manger, ça pas besoin d'engrais. Et qui côté, si qu'à jour, il y a mangé, pas de manger la vie, tombe non. C'est rien seulement. Ça veut dire, nous avons capacité pour nous produire. Ça partie de production, nous avons capacité de nous une réponse en l'État. Ce n'est pas l'école AIL et SDP qui l'a. Et nous avons encore, nous changeons de candidat, nous avons financé la campagne. Et nous avons capacité de l'élection. Et la République dominicaine finance plus fort la campagne candidat. Ce n'est pas qui danger. La République dominicaine toujours compresse de compresse ça pour dominer nous sous prétexte et pour faire justifier et nous occuper. Il va vrai. Et me penser, soit que ce soit nécessaire, et me penser, qu'on démarche l'État haïtien, tout le monde, l'État des mendiants, ou l'État qui prend sinistre, et pour l'État qui politique publique, mais une politique réelle envers la nation, envers le pays. C'est tout le monde qui va mettre. Et nous prenons la parole là, il y a plus de monde qui va mettre la réalité. Et qui est laissé en République dominicaine, nous avons fait fixer. C'est pour dire qu'il y a l'école, ça veut dire, son l'État qui va exister vraiment, oui. Et me penser, pour casser l'État, ça, il faut mettre la politique. PHTK, 4e version. Aïe,
et Matéli avec André Michel et Major Michel. Yo, à partir de ça, on va préparer une autre direction pour mener le pays avant le développement de la capitale.